ride through the hood, keep it low to the ground. Ride through the hood, keep it low to the ground. Ride through the hood, keep it low to the ground. Low to the ground, low to the ground. Salut à tous, c'est encore Tonic pour un nouveau tutoriel de trick sur Halo Reach, donc sur la map Longue Nuit de Réconfort. Donc ça se passe au niveau de la base de lancement. Donc procurez-vous le fusil concussion qui est sur l'élite devant la base, et l'armor lock qui est aussi devant ou dans la base. Donc déplacez-vous jusqu'au niveau du pélican qui attend les marines derrière. Donc, surtout n'activez pas la cinématique. Hop, placez-vous sur le rebord à l'avant du pélican. Hop, grenade, coup de concussion, sautez sur le pélican. Pensez à activer les crânes cloches. Hein. Donc placez-vous de préférence à l'avant du pélican pendant son décollage. Voilà, et activez l'armor lock pour passer à travers le mur. Ensuite, sautez du pélican et atterrissez sur ce petit îlot. Voilà, pour être sûr de survivre durant la descente. Ensuite, déplacez-vous donc en haut de la base en faisant le tour. Voilà, accélérez. Ah, vous pouvez passer à travers les rochers. Ah, il fait tout noir. Voilà. Donc, dirigez-vous au-dessus de la base et vous verrez que la tourelle s'est clonée. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. En tout cas, il y a une deuxième tourelle qui n'est pas sur son socle. Et d'ailleurs, l'autre, son socle n'a pas d'ombre. Je sais pas pourquoi. Voilà, elle tire quand même sur les séraphes. Hein. Elle bouge. Hein. Elle est par terre, sur le côté. Là, du spawn dans l'autre. Bizarre. Chaque fois, elle apparaît au même endroit. Là, vu de derrière, c'est moche. On peut la retourner. En RB, ou enfin, ça dépend de votre config. Hop, il y a même le message qui s'affiche comme quoi on peut utiliser la tourelle. Bien qu'on ne puisse pas le faire. Elle a quand même de la gueule. Hein. Allez, super munitions. Voilà. Donc, quant à la sortie de map, vous pouvez vous déplacer un peu plus sur la gauche, dans les collines là-bas. Vous verrez un cube énorme et deux boules de texture. Et vous pouvez aussi rester sur la base, vous balader, retourner dans la base de lancement. Vous amuser. Par contre, c'est assez limité quand même. Vous pouvez aussi aller dans la mer, tout au fond, assez loin quand même. Mais bon, c'est pas... sans véhicule, c'est assez chiant, quoi. Voilà, déplacez-vous sur le toit. Donc, ça sera tout pour le moment. Hein. Vous découvrirez vous-même l'environnement externe de la base, je dirais, grâce à ce tuto. Donc, n'oubliez pas d'aller sur Halo Création, regarder 2-3 tutos et vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels vidéo. Allez, ciao !